Ça, c'est bizarre. Salut, je suis un torvosaure et nous sommes à la fin de la période jurassique, il y a 144 millions d'années. Répétez mon nom, torvosaure, qui veut dire lézard sauvage. Mais qu'arrive-t-il donc à ma boîte de son? Je suis un théropode, ce qui veut dire que je marche sur deux pattes et que je mange de la viande. Quand on mange de la viande, on est un carnivore. Je suis le plus grand mangeur de viande de ces régions. Je suis un des plus grands théropodes. Je mesure plus de 10 mètres. Ces griffes de pouce m'aident à attraper de la nourriture. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le centre-ouest des États-Unis. Hi-haw ! Mi. Très bien. Et maintenant, écoutez bien celui-là. Je suis un carcharodontosaure de la fin de la période du Crétacé il y a 10 millions d'années. Carcharodontosaure, qui veut dire dinosaure aux dents acérées. Et avec raison, ses dents mesurent jusqu'à 20 cm. Ça fait peur, hein? Bon, ça viendra un de ces jours. J'ai une dent qui branle. Quand elle tombera, je serai la plus heureuse théropode, c'est vrai! Théropode, pied d'animal. Et il y a de nombreux dinosaures appartenant à cette famille. Croyez-le ou non, il y a même des oiseaux. Bien sûr, le T-Rex est le plus célèbre des théropodes. Mais en fait, je suis aussi grosse, sinon plus grosse qu'un T-Rex. Je mesure 13 mètres. Mais moi, je vis en Afrique du Nord. Peut-être que si je la laisse tranquille, elle finira par tomber. Mais peut-être pas aujourd'hui. Je suis sortie de mon œuf. Je suis un asplétosaure, un lézard terrifiant. Êtes-vous terrifié? Je suis bien un dinosaure. Ah! Vous avez vu ce dinosaure terrifiant? Sauf qu'il peut. Je l'ai échappé belle. Essayez de dire mon nom. Daspletosaure. Daspletosaure. Il y a 60 millions d'années, c'était la galerie des horreurs. Des monstres carnivores. Mais aucun de ces monstres-là n'était aussi effrayant que moi. Regardez ces dents. Elles sont comme des lames courbées. Mais aussi acérées qu'une scie. C'est une blague. Et ses dents sont énormes, mais plus petites que celles de mon futur cousin, le Tyrannosaure Rex. Mais elles sont quand même grosses. Comme je vous le disais, mon nom veut dire lézard effrayant. Et rien n'est plus effrayant que moi. Mais je vais me comparer à d'autres animaux sauvages. Le lion est un animal qui fait peur. Et quoi d'autre? Un gros ours grizzly. Et ça, ça fait vraiment peur. Et ce qui fait peur, ce sont mes dents tout autant que ma taille. Je suis un lézard effrayant, c'est vrai.
En plus, j'ai très faim. Ça fait vraiment peur.